Et oui, c'est pour le rappel des chiens que je fais cette petite vidéo avec ma technique à moi. Bah, elle n'est pas inventée, hein. Mais elle marche bien. Donc là, Poppy, ça fait un petit moment que je suis sur le chemin, que je ne l'ai pas revue. Poppy! Poppy! Alors, le truc, c'est d'avoir son sifflet à soi. C'est ma génération reconnaissant ceci. Poppy! Je ne sais même pas où il est, je vais vous le dire direct. Oui, Poppy. Oui, Poppy. Alors, par contre, j'ai comptabilisé avec Gianni une fois, d'ailleurs, à qui je fais un gros bisou. Que Poppy, voilà, il ne mettait pas 5 minutes à revenir avec le sifflet. Ouais! Alors, pour faire revenir son chien, et il faut qu'il soit content. Poppy, oui! Voilà, il faut le féliciter d'être venu avec une petite croquette. Tiens, voilà, il a même plus, il va même plus manger. Ouais, c'est bien. Ah! Il y a la copine, il y a le copain qui est là. Alors, bon, ben voilà. N'empêche que voilà pourquoi Poppy n'était pas là, mais pourquoi il est revenu aussi. Allez, les amis, vous avez compris. Pour faire revenir un chien, c'est très simple. Des petites croquettes et vous l'encouragez à revenir. Alors là, c'est Utopie et son maître ne doit pas être loin. Comme vous pouvez le voir, Poppy, il est revenu. Il n'a pas suivi Utopie parce que bah, tout simplement, Poppy, il est bien. Ah, et il essaye peut-être d'y retourner quand même. Voilà, alors bah, son maître, il a fâcheuse tendance à crier après son chien quand il revient. Donc forcément, bah, le chien n'a pas envie de revenir. Moi, je crois que c'est un peu la technique. Si on est content de les voir, bah, ils sont contents de venir. Si on leur gueule dessus, c'est genre ah, « vas-y, je reviens et puis tu m'engueules ». Bah, ça ne marche pas. Voilà, allez. Je rappelle Poppy et je vous dis à bientôt cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Bah, toujours tendance à partager ses expériences aussi, hein. C'est ça la vie. À bientôt les amis.